Vous avez 46 ans. Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Dans 10 ans? Dans 2 ans? Dans 6 mois? Je ne sais pas. Non, ça n'est pas une question piège. Je me la pose aussi. Et alors, vous vous voyez comment? Vous savez, Catherine, nous sommes dans un monde en mutation permanente. C'est très important de ne pas subir ces évolutions, de savoir les anticiper. Comment vous envisagez la suite? J'aimerais continuer à travailler au sein de l'équipe, à continuer à donner le meilleur de moi-même, tout en travaillant sur les points que nous avons identifiés ensemble. Voilà. Il y a des tas de perspectives au sein des Zen. Des tas de possibilités d'évoluer. C'est-à-dire? Vous pensez que je devrais changer de poste? Moi, je ne veux surtout pas penser à votre place. Mais on peut y réfléchir ensemble, si vous voulez. Est-ce que vous me demandez de me mettre en mobilité? Je peux vous accompagner dans votre réflexion à ce sujet. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va? Le week-end a été bon? Ça va bien? Bonjour. Bien. Alors, l'ordre du jour? Quelqu'un? J'aimerais qu'on revienne, si c'est possible, sur les évaluations comportementales. Encore les évaluations. Thibault, les évaluations, c'est un outil, d'accord? En soi, ce n'est ni bon ni mauvais, c'est un outil, c'est tout. Ça dépend de la façon dont toi, tu t'en sers. Je fais juste part des critiques. Non, mais c'est plus l'heure des critiques, c'est fini. Faut que ça roule, maintenant, les évaluations.